Alors, mission 4. 7 mars, il est midi 45. 7 juin, pardon. Bien sûr, mars. Midi 45 au Hamley. Alors, pop. Alors, la compagnie Fox et les forces attachées se sont vues donner l'ordre d'attaquer le Hamelé depuis l'ouest, pardon. Doivent localiser et détruire les mortiers ennemis. Force alliée, la compagnie Fox mènera l'assaut sur le complexe de ferme depuis l'ouest. Et en soutien, on a le 746e bataillon de chars, le premier platoon de la compagnie A du 746e bataillon de chars. Ok, on a la batterie C qui était déjà celle qu'on avait tout à l'heure, effectivement. On a deux sections de mortiers de 81 qui viennent du bataillon. Ok, force ennemie. Ah. Donc les gars ont entendu des moteurs. Il est possible que ce soit une autre, mais ça peut être un véhicule blindé adverse. Ok. Rien. Non, c'est pas mal aussi, rien. Quoi de neuf en ce moment du coup? Obus par mortier, super. Ah, ok, ces mortiers-là sont pleins, c'est déjà ça. Et eux, il reste 78 obus. Ah oui, mais c'est vrai qu'on a vraiment pas utilisé beaucoup de munitions. Et 30 fumigènes, ça c'est cool. Je sais pas pourquoi j'aurais besoin de fumigènes dans un fichu bocage, mais c'est bienvenu. C'est bienvenu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a notre quatrième platoon. On a le... troisième platoon. On a des pionniers, ça c'est cool. Pour donner le cancer aux gens. Ouais, alors, si on peut les tuer un peu plus vite que par un cancer, ça m'arrangerait. Ah. On n'était pas censé avoir des blindés avec nous? On verra bien. On a une zone de déploiement qui est tellement grande. First Platoon, quatrième. Quatrième. Ok.
Donc le premier va partir par là-bas. Le deuxième, ici peut-être. Et le troisième par là. Et dans l'idée, on aura du coup le premier comme ça, le deuxième ici et le troisième par là. Sachant que le troisième, dans les faits, il s'arrêtera ici. Et on le fera pas avancer là-dedans. Parce que je te connais, Combat Mission. C'est marrant les petits camions. C'est pour faire des petits pouet-pouet. Ou des petits coins. Ils vont rester en arrière. Oh, peut-être bien, oui. On va laisser nos véhicules là-dedans, je pense. Merci, Acta. J'ai bon espoir que les blindés arrivent. Pendant un instant, t'as eu peur, c'est-à-dire. Pour l'instant, on va juste viser, s'étaler un petit peu. Parce que c'est trop le bordel. Ah, bordel, en parlant de ça. On n'a pas le plein de munitions. Et non seulement on n'a pas le plein de munitions, mais en plus on est sacrément bas sur certaines armes. Ouais. Ok. Crotte. Par compter les balles. Ouais, est-ce que. Et le jeu est très très bon à ça. Bon, puis moi aussi je suis très très bon à ça, comme on a pu voir. Ah, c'est pas grave. C'est pas trop grave. On peut. Il y en a dans les Jeeps, au pire. Il y en a un petit peu dans les Jeeps. Il y en a vraiment pas beaucoup dans le camion. Ah si, pardon. Si, c'est bon, il y en a plein le camion. Sept 600. 1004. Ah mais attends, vous êtes que 3 là-dedans? Ah mais oui, c'est l'équipe de Exo, pardon. Oula, bah eux, ils en ont que 300, tu vois.
700. Presque 700. 1200. 700. 1000. On va laisser comme ça pour le moment et puis on avisera selon où on a besoin d'envoyer le véhicule pour recharger ce genre de choses. Quel camion tu restes avec moi finalement? Et les Jeeps aussi. Ok. Bon, on va déjà faire ce déploiement-là et puis on verra ce que ça donne. Mais ouais, Honda, qu'est-ce que ça donne le Canada en ce moment pour toi? J'aime pas quand tu commences aussi groupé comme ça. Alors, bon esprit, mais tu passeras la barrière après. Peur d'une frappe? T'écoutais de la musique? Je demandais ce que ça donnait en ce moment pour toi de ton côté. Quoi de neuf, ce genre de choses? Non, c'est pas tant peur d'une frappe, Giano, c'est juste que c'est un peu. Merde, c'est quoi déjà le nom de la peur quand quand t'es à l'intérieur et que c'est un peu trop oppressant? Ouais, agoraphobie qu'on conviendrait aussi, effectivement. T'as juste trop de bordel. Claustrophobie, voilà, c'est ça. Je me sens un peu claustro dans ma zone là. Bon, où est-ce que ça tire? Ça tire là. Effectivement, ça tire là. Toujours moins le bordel chez nous, il y a encore des grèves en France. Ouais. Et c'est cool. Je comprends vraiment pas cette. C'est pas le bordel en France. Où est-ce qu'il est? Personne n'en parle, pour ça, je sais pas. C'est Macron qui a, enfin le gouvernement qui a eu qui a pris la décision très démocratique de, bah, de passer outre le procédé démocratique en fait. Et on l'a assez mal pris. À force de passer en 49-3, il fallait que ça pète à un moment. Pas par là, je pense qu'ils sont plus par là. Ouais, plus là. Ok. Ok. Sniper? Non, probablement juste un fusilier. Enfin, ça peut être un sniper, mais c'est le même fusil de base, donc bon.
C'est pas le premier à faire du 49-3, non, mais il en abuse un petit peu. Et y a, comme dit Giano, il y a tout un contexte. Remaz. Non, on a fini, Maz, t'inquiète. Je pense qu'il est là, ouais. Ça marche bien. Moi non plus, Maz, mais c'est pas vraiment l'objet pour le coup. Ok, donc on va dire à peu près au niveau de l'arbre là. Je sais même pas si on pourra tirer avec les lignes de feu du jeu. Comment se passe le game? T'as raté une mission entière. Elle était un peu long à manger, hein. Ça a été. Trois morts, trois blessés sur la précédente. Dont bah en fait trois morts avec des mines. Ce qui fait toujours plaisir. Le reste, ça a été. t'en fais pas pour ça. Hein. Le seul qui doit être présent ici, c'est moi. Vous êtes bienvenu, mais il n'y a pas d'obligation. Pas trop de pertes alors, ça va, ça aurait pu être bien pire. Ah punaise, quel abruti, j'ai oublié un truc. Pas grave, on avait fait qu'un seul tour sur celle-là. Nous ne sommes plus sur Choc Force. Bonne bouille, le Britannique. Ok, non, on va pas prendre celle-là, on va prendre celle d'après. Hop. On n'est plus sur Choc Force et du coup il faut qu'on prévoie nos barrages d'artillerie avant la mission. Tu peux plus les faire pendant. Pas de manière fiable et pratique. Faire de la politique à l'écrit avec mon côté drôle sans avoir mon non-verbal un peu de suicide. C'est pour ça que. Puis. T'as de très bonnes émissions politiques sur Twitch et clairement, c'est pas mon but. Je suis vraiment pas le mieux placé pour ça. Puis ça me barbe. Ça me barbe grave depuis quelques temps. Donc on disait. On a nos mortiers à nous, qu'on va se contenter d'utiliser en local. Ensuite, alors on va pas tirer sur cette position, hein, puisqu'on n'est pas censé savoir qu'il y a du monde là. C'était une petite erreur de ma part, petit oubli.
On doit capturer ceci. On va faire plus simple, on va l'atomiser. Peut-être pas. Là-dedans, il y aura des Allemands, c'est quasi certain. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Si on pouvait désigner un rectangle plutôt qu'un cercle pour notre artillerie, ce serait vraiment top. Ouais, bon là, tu vas avoir. Au Canada, tu auras sûrement les déboires diplomatiques de notre président en Asie. Enfin, en Chine, pour être exact. Ça devrait faire le tour des news par chez toi. Ok, on va balancer du mortier là-dessus. Là-dessus, ce serait bien aussi. Là-dessus. Il y a trop de cibles. Trop de cibles, pas assez de mortier. Battalion, battalion, platoon commander calling. Battalion calling, fire platoon commander. Target left 200, add 100 from point X-ray. Artillery Repeat firing left when 200, ready. On the way. Add 100 from point X-ray. Heavy artillery, high explosive. Fire for effect. Over. Okay. On va envoyer un peu ici. Sur une mission médium, médium, immédiat. Requesting artillery support. Battalion calling platoon commander. Target left 200, add 100 from point X-ray. Mortars firing when ready. On the way. Ça pourrait être là, ça pourrait être là. On pourrait faire un rectangle, je balancerai là-dedans. Mais bon, pour le moment, ça sert pas à grand-chose. Par contre, on va tirer au 61 sur cette zone-là, cette ligne-là, chassant pas des masses. Et j'espère franchement que pour la prochaine, on aura des munitions. Sinon, on va vraiment tomber à court. T'es où le mortier? T'es là. Hop, nos trois petits mortiers. Du haut de leurs 13 munitions, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça, toi? Voilà. Bon, le reste ça a pas bougé. Le reste ça a pas particulièrement bougé, non. Voilà, ce coup-ci elle est bonne. The fuck? C'est la même sauvegarde que tout à l'heure, c'est les mêmes ordres. Pourquoi d'un coup il y a une 42 qui ouvre?
les données de munitions. Bon, il pleut bien en Normandie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh, hey, Giano avait vu juste, hein. On a un tireur d'élite. Mortier tombe un peu court. Ouais, ça fera l'affaire. Peut-être. Traverser la route. Oui, bien sûr. Passer là? Non. Là on pourra. Ok, c'est cool. Non plus. Bon, au moins on peut prendre ça comme base de feu. Ensuite, il faudrait repasser ici. Il y a vraiment intérêt à ce qu'il n'y a rien là. Passer ici pour progresser vers la ligne suivante. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vingt secondes et 45 secondes, pourquoi pas. Bon, on va même agrandir ça, voilà. Ok, toi c'est bien. On va pas pouvoir abuser du système de du on va pas trop pouvoir tirer dans les arbres pour le pour cette mission. On n'a plus de cartouches. On n'a plus de mortier. Non, vraiment, c'est bien. Elle s'annonce bien, celle-là. Ah oui, du coup, tout à l'heure, on a parlé de cette mitrailleuse, mais j'ai pas regardé exactement la version. Quand est-ce qu'elle apparaît, la A1? Ok, donc la version A1, elle est des années 30. Tout va bien. C'est pas la plus vieille relique qui nous est filée.
Ah punaise, on n'a pas de charge de démolition non plus du coup. Ok. On a une charge, on peut faire un trou. Ici, on n'a pas de charge. Et je serais même pas surpris qu'il nous manque un camion. Je sais plus si on avait un ou deux camions sur la mission pont. Sur pas la mission présente, celle d'avant. Le camion qui s'est embourbé quand on a fait un mètre. Seigneur, aie pitié de ton serviteur. Ils ont survécu. Pour le moment. Apparemment, ils peuvent encore se faire canarder. Ah, ok, on a un mardeur là-bas. Bon. On avait bel et bien un tireur juste à côté de l'arbre. Cool. Oh, bordel. Le bon côté, c'est que c'est un mardeur, donc c'est exposé. Ok, cool. Le problème, c'est qu'on a quoi? 300 mètres à faire avant de pouvoir au moins l'approcher? Ah, punaise, puis les mortiers sont tombés juste à côté, quoi. À 2 mètres, on avait un obus de mortier qui tombait pile dedans. Verdammt. Bon. Puis on va parier sur quoi? 15, 20 obus entiers, 20 obus explosifs. Ça va faire beaucoup de piétons envoyés au casse-pipe, je pense. Ah mais je pensais que j'allais donner l'ordre de vider la batterie en fait sur ce truc-là. Ok, bon, bah du coup forcément c'est moins efficace. Je sais
pas regardé. Je les ai pas vus prendre des tirs. Qui te voit? Oh, wow, ok. Donc toi, t'arrives à voir un mardeur qui est... Ok. Bon, pour l'instant, on va le laisser là. On va progresser comme prévu. Ça donnera quoi ici? Ça donne 150 mètres. C'est faisable, bazooka, mais ça fait loin. Ok, bon. Quoi qu'il en soit, eux sont pas fait tirer dessus, donc je pense que la grange est clean. Reggiano, on a des problèmes. Alors, le tireur qui nous canardait, c'était pas un sniper. Par contre, il y avait un sniper à côté. Bien joué pour ça. Et on a un char dans le coin. La balade à la campagne se passe bien. Waouh, c'est la Normandie, tu sais. Faut pas en attendre grand-chose. Panzer combien? C'est un Marder 3, donc c'est un blindé tchèque. Enfin, selon la version, c'est soit un blindé tchèque sur lequel on a viré la tourelle et placé un canon anti-char, soit un châssis inspiré ou copié sur lequel t'as mis le châssis, le canon. J'ai défait le patient 0 avec uniquement 5 spec up. Bien su, bien joué, Ney. Tiens, c'est ce truc-là. Et ça, c'est nos obus de mortier qui sont tombés si proches. Oh. T'as passé une bonne journée, Ney? On va vous déployer un peu plus là, en fait. Hop. Ça va et toi? Ça va. Je commence un peu à pleurer là. Mais sinon tout va bien.
J'ai pas entendu ni vu de tir ici, donc ça a l'air d'être clean. Maintenant que le gros d'effort s'est passé, de toute façon, il vaut mieux. Ouais, c'est bon, c'est nickel. On va enchaîner. Tu vas faire quoi après cette direction? Me mettre là? Me mettre là, surtout dire à mes gars de pas tirer et bombarder le Marder avant d'avancer. Si tu veux, le premier platoon va avancer là, le second va avancer vers le milieu et le troisième vers la droite. En tout cas, c'était le plan initial. On sait que apparemment il y a pas mal de mortiers en face. Donc j'écarte mes troupes au maximum. Et là, l'idée, c'est de réussir à m'installer ici pour pouvoir arroser ici et du coup progresser. Le Mardor, ça vaut quoi contre toi? T'as de quoi le casser? J'ai des bazookas. Dire, je peux, si j'arrive à coller un obus de mortier ou d'artillerie dedans, bon, c'est réglé. Vu que c'est un véhicule à toit ouvert. Je vais avoir des bazookas, mais c'est en mètre de portée, je dirais. En fiable. Après, c'est un 75. Donc, il doit pas embarquer beaucoup de munitions. Je sais pas, j'ai parlé de 20 obus explosifs tout à l'heure. Probablement un peu moins. Mais là, il y a 150 mètres entre ce point-là et la haie. À cette distance, réalistiquement, il n'y a pas grand-chose que je peux faire. Donc le plan là, c'est vraiment on ramène un officier ici. On pose nos fesses pendant 10 minutes, le temps que le mortier tombe, et puis après on avance. Si on a un blindé qui arrive en renfort, on avisera à ce moment-là. Mais c'est pareil, quoi, on n'est pas super bien placé. À la limite, puisque eux ont réussi à le voir. Tu vois. Peut-être qu'en mettant un Sherman ici, j'aurai un coup de bol ou je sais pas quoi, et il arrivera à faire un truc, mais. Je vais pas trop espérer. En espérant que le mortier tombe bien. Mais c'est trop injuste. J'ai fait un tir préparatoire là sur cette ligne. Et tu vois, il y a 4 obus qui sont vraiment pas tombés loin. Enfin, ça pourrait être pire, ça pourrait être un Panzer. Je le savais, punaise, qu'il y aura un tireur tout au bout.
Ah, c'est pas grave, on a eu de la chance. Tout le monde est passé, presque tout le monde est passé. On pourrait traverser cette haie. Faites des trous dans vos haies, bordel. Non, ok, donc c'est encore plus craignos. Ah ouais. Ok. Une charge qui traîne. Toi, t'en as plus. Toi, t'en as pas. Tu vois, c'est con parce que si j'avais fait gaffe, les gars là que je viens d'envoyer ici, en vrai, j'en ai besoin là. On va tenter un truc complètement idiot. Et ils vont tellement me détester pour ça. Ça fait aucun sens. Bon, très bien. Et tiens, où les leurs? Non, généralement, je donne davantage de raisons à Mega de me détester qu'aux ennemis. Faut qu'on pousse un petit peu. Si on avait du ravitaillement, on pourrait se permettre de camper ici et ce serait super cool. Mais on l'a pas. Et ici, j'ai pas un petit passage. Non. Ok. Ce qu'on va sûrement finir par faire, c'est amener le troisième platoon au milieu et du coup le second sur la droite. Faute de mieux, histoire de garder un truc un peu fluide. Oh, c'est quoi encore ça? Es-tu sûr que tu donnes pas de raison à l'ennemi de t'en vouloir? Tu veux casser leur bombardeur quand même. Ouais, mais ils avaient qu'à pas le ramener là.
vous engagez-vous? On vous a déjà vu plus efficace. Oh! Hey! Voilà, il est mort. Pour le coup, on sait pas, mais il est mort. Ah! C'était fort. Hey, les blindés sont arrivés. AVC, ah peut-être. Oui, non mais je sais, t'inquiète pas, j'ai même le son plus fort que vous, hein, techniquement. Le son à partie des améliorations qu'on aura peut-être un jour. Beaucoup de Jeep, non, ça je les avais initialement. Catcherman, c'est sympa. Oui, c'est sympa. Dans le moteur d'encore après, tu penses? Pour le portage en 2030. Quatre Sherman à 1. C'est pas si mal. Est-ce qu'ils ont fait le plein, eux, ou pas? Partiellement, on a plus de munitions que quand on a terminé la mission. Mais on n'est pas à fond. Oui. Oh, ça bouge. Combien on compte d'Allemands? Donc eux commencent à bouger, super.
On a une équipe bazooka ici. Bah, Panzerschreck, c'est pareil. Est-ce que le lanceur survit? Non! Ok, cool, elle est neutralisée, elle ne sert plus à rien, ça. Et ici, j'ai vu qu'on avait 3 morts, 5 et de 1 et de 2. Et de 3. Ok. Tu veux dire que les... T'as vu le jeu Redfall? Oui, j'ai vu, ça m'intéresse pas particulièrement. Faudra que je vois un peu plus à la sortie, mais... Ça ressemblait très fort à du jeu coop et coop only. Ouais. Je sais pas, ça ressemblait un peu à Left 4 Dead. Je sais, c'est pour ça que je suis vert. C'est eux qui ont fait Dishonored et bah, ils auraient pu faire mieux que ça, quoi. Enfin, c'est des mecs qui t'ont offert Dishonored, ils t'ont enfin, ils t'ont filé Dishonored, ils t'ont filé Prey de mémoire. Deathloop, même si j'ai pas particulièrement accroché, le gameplay était quand même assez cool. Et puis là, de ce que j'en ai vu, ça ressemble à un clone de Left 4 Dead. Non, enfin ça m'intéresse pas des masses. Je regarderai un peu plus au cas où je me suis juste fait avoir par une mauvaise pub. Mais ils sont bons en histoire. Bah ouais, mais apparemment il n'y a pas d'histoire dans Deathloop, dans Redfall. Donc je regarderai. Je regarderai, mais pour l'instant ce que j'en ai vu, ça m'a pas plu. C'est des gens qui sont très forts pour faire du jeu solo. L'entièreté, enfin, t'as pas besoin de faire des jeux multijoueurs pour que ce soit cool. C'est ok de faire des bons jeux solo. Envoie-moi là par MP plutôt. Ouais, bah, c'est bon, t'inquiète. Ouais, non. Non, non, attends, je me permets, hein. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça. Dans suggestion, si ça peut être que des liens de magasin, c'est bien aussi. Ou de page, enfin pas de vidéo, quoi, idéalement. Ouais, on verra plus tard pour le format. Mais envoie-la-moi par MP. Faudra qu'on voit. J'ai pas envie que ce soit trop spammant, si on peut dire. Tu vois, typiquement, ce que tu m'avais envoyé, bon, ça passait avant. Alors, c'est quoi? Ouais, c'est un test IGN. Ouais, voilà, c'est pas top. J'ai du mal ce soir.